Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre Steam Deck et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment faire pour installer le launcher Epic Games pour jouer au jeu que vous possédez dans votre catalogue Epic et comment installer GOG pour jouer au jeu du launcher GOG pour installer tous les jeux que vous avez de votre bibliothèque GOG. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et surtout activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc premièrement, ce qu'il faut faire, c'est passer en mode bureau. Donc on appuie sur le bouton d'alimentation ou plutôt on reste appuyé. Voilà, et on va passer en mode bureau. Donc je clique dessus. Ensuite, une fois qu'on est en mode bureau, c'est très simple. On va cliquer sur le troisième petit logo là pour ouvrir le sort de magasin où on peut télécharger plein d'applications. Et ensuite, une fois qu'on arrive ici, on va dans la barre recherche. Et pour les personnes qui n'ont pas branché de clavier à leur Steam Deck, on appuie sur Steam et X. On reste appuyé sur les deux pour faire apparaître le clavier. Donc là, le clavier va apparaître. Et en fait, on va juste taper Heroic. Et là, je fais la recherche et on va télécharger ça en fait. Voilà. On va télécharger le Heroic Game Launcher qui va nous permettre de jouer à nos jeux Epic Games et les jeux GOG. Bien sûr, tous les jeux ne vont pas être compatibles, mais la plupart, je pense, vont être compatibles. Donc, on clique sur Install. Voilà, là, je vais attendre que ça s'installe. Et on se retrouve juste après. Ensuite, une fois que c'est fait, on va quitter et là, on va se rendre ici. Donc, je vais dézoomer. Hop. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le logo Steam Deck juste ici. Et là, on va chercher, je vais zoomer un peu parce qu'on voit mal. On va aller dans Jeux. Hop. Et en fait, on va mettre le Hero Game Launcher directement sur le bureau. Donc, on fait un petit clic droit. On fait Add it to Desktop. Et normalement, vous allez voir qu'il est juste ici. Donc là, je l'ai ajouté à mon bureau. Et maintenant, on va l'ajouter sur Steam. Donc, c'est la même manip pour l'ajouter sur Steam. Donc, on revient juste ici. On va dans le premier. On revient sur Jeu. On revient sur le Hero Game Launcher. Et là, je vais zoomer parce qu'on voit vraiment très mal. Au lieu de l'ajouter sur le desktop, on fait Add it to Steam juste ici. Voilà. Donc là, on va attendre un petit peu. Ça va l'ajouter directement sur Steam. Et voilà. Là, ça a été ajouté sur Steam. Donc, on peut vérifier en cliquant sur Steam sans aller dans le mode bureau pour l'instant. Bibliothèque et on peut voir que le Hero Game Launcher est juste ici. Ensuite, une fois que c'est fait, c'est très simple, on va fermer cette page et là on va retourner en mode gaming. Ensuite, on va arriver ici. Là par contre, il va falloir écouter scrupuleusement ce qu'il faut faire pour que les jeux fonctionnent bien. Déjà, tous les jeux ne seront pas forcément compatibles ou hyper compatibles. Donc premièrement, vous allez vous connecter avec votre compte Epic Games ou GOG ou les deux si vous avez les deux. Ensuite, dernière étape, on va se rendre sur Win Manager qui est juste ici. Voilà, et en fait, ce qu'on va faire, c'est très simple. Pour que les jeux Epic Games et GOG deviennent compatibles avec le Steam Deck, ou soit partiellement ou entièrement ou en grande partie compatible, il faut télécharger ces trois fichiers. Donc ce fichier-là et ce fichier-là. Il faut toujours prendre la dernière version. Donc je vais commencer par télécharger celui-là. Voilà, je clique dessus. Et il faut télécharger aussi les deux autres. Très important, vérifiez chaque semaine, toutes les deux semaines, voir si vous êtes toujours à la dernière mise à jour de ces trois fichiers. Après, je lance celui-là et celui-là. Ensuite, vous vérifiez juste que le dernier fichier que vous avez est bien en rouge. Pareil pour celui-là, il est bien en rouge. Et pareil pour celui-là, il est bien en rouge. Ensuite, une fois que c'est fait, on peut directement aller dans la bibliothèque. Tout en haut, vous pouvez choisir de mettre les deux bibliothèques, c'est-à-dire GOG ou Epic Games, ou bien mettre uniquement GOG ou Epic Games. Et là, vous pouvez naviguer et chercher le jeu à télécharger. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Steam Deck, cliquez sur l'épargne numérique. Après, vous êtes abonné, bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist et là, vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist Astuces Steam Deck. Donc, pour l'instant, on retrouve que 6 vidéos astuces, mais bien sûr, je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible. A plus la team!